I've always felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it, or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. And feeling shit and bitter and angry all the time just eats away at you. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite de Cry of Fear. Et je suis un peu malade, un peu enrhumé et voilà. Bon, désolé d'avoir mis un peu de temps pour sortir la suite, mais disons que j'étais pas mal occupé ces derniers temps. Mais bon, c'est pas grave. Normalement, ça devrait être bon. Hop, on va aller par là. Je vais ramasser la clé pour aller dans les appartements. Alors, c'est quoi ce bug audio? Ok. Alors, la porte ne veut pas bouger. C'est quoi déjà pour là? Ok, ça va. La porte ne veut pas bouger. Ah, ok, nickel. On n'est pas verrouillé, je crois. C'est là. Bonjour, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Bon, un monstre? Je n'ai pas peur des monstres. Enfin, un peu quand même, mais bon. Il y a du sang ici. Ça ne veut pas bouger. Mais il n'y a rien ici. Je suis venu pour rien. Non. Attendez. Il doit y avoir un truc. Il doit y en avoir un. Ça. Non, même pas de soins, même pas de. Rien du tout. Bizarre ça. Ah oui, je voulais essayer un truc. Y a un truc que je veux essayer parce que il me semble que. Ok, non. Ça marche pas. Bloqué depuis l'autre côté. Normalement, on vient de cet appartement. Fourth floor. Ok. Et là, on sent que c'est comme ça que fonctionne le système de clés. Pas très pratique, mais bon. Ben, du coup, je pense que je vais revenir en haut. Bon, c'était une perte de temps. Alors, ici, deuxième étage. C'est là qu'on avait exploré dans l'épisode précédent. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'ennemis. Si je dis ça, non. C'est marqué quoi? They're not neighbor across. Ok. Neighbor across. Ah. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Là, c'est mieux. Ça va. Mais tu as crevé, toi? Voilà. Putain. Il m'a fait de ses dégâts, lui. Ah, c'est que mon arme, elle est trop. Elle a une trop courte portée. J'ai failli y passer, mais bon, c'est pas grave, j'ai ma seringue. Ok. C'est quoi? J'ai un clic droit, ok. Vache. Voilà. La vache, ils sont durs.
Notre seringue, ok, 3, voilà. Bon, encore un ennemi. Allez, je suis prêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez. Ah, est-ce qu'il faut appuyer sur eux? Non? Non? On va pas comprendre. Ah, d'accord. Il y a quelque chose dans le cellier. Déverrouiller le verrou. Oh. Ah, les munitions, elles prennent pas de place. D'accord. Elles prennent pas de place dans l'inventaire. Ok, ça c'est bon. C'est nickel. Par contre, j'ai des munitions et pas le flingue en question. Je vais revisiter d'ailleurs, elle dedans. Ne dites pas que les ennemis repop. Quand même pas. Ce serait con quand même. Je comprends pas. Oh, ne pas bouger. Bon. Oh! Ah! Et ce cadavre, bon Dieu, ça pue. Il y a une arme, je ferais mieux de la prendre. On a le flingue. Et là, vous allez comprendre le problème du jeu. On a quasiment plus de place. Il ne reste plus qu'un slot dans l'inventaire. Heureusement, les munitions... normalement c'est... Ok. Ok, on peut faire autre découpe comme ça. Ok, ça va le faire. Alors ça c'est... For all doors. D'accord. Est-ce que ce serait la clé pour ici? Exact. Nickel. Quelque chose me dit que ce n'était pas du tout efficace. Ok. On va reprendre ça. Ça, on va le mettre en deux. Ici, j'ai besoin du flingue. J'irai dans le menu. Enfin, j'irai. Si j'ai besoin du téléphone, j'irai dans le menu. Là, ça va être gestion de munitions intense. Alors que j'ai besoin de tuer quelques enfants, je bloquais l'ascenseur dans le hall pour que seul le personnel y ait accès par un code secret. Je pense que nul enfant ne devinera. Donc, ils auront juste à prendre les escaliers. Ok. Très glauque. Ok. C'est noir, c'est sombre. J'aime pas ça. Téléphone, équipe. Ok. Ça, c'est fait. Ok, on n'a pas le code. Et ça, c'est le quatrième étage. Et ça, le quatrième étage, hein. Quatre, ouais. Et il faut y accéder. Bordel de merde. Bon. Allons déjà au troisième étage. Est-ce que c'était ici qu'il y avait le point de sauvegarde? Pas du tout, c'était pas là.
C'était ici. On va sauvegarder un peu quand même. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ensuite? Sauvegarder ici. Faut que je retourne au centre, je pense. Je vais récupérer ça pour avoir plus de lumière. Ok, on va descendre. Attendez un instant. Seul le personnel y accède par un code secret. Je pense que nul enfant ne devinera. Donc ils auront juste à prendre. Aucun enfant ne devinera. Est-ce que ça voudrait dire que s'il y a un message caché quelque part, ça ne peut pas bouger. Putain! Et voilà, je gâche déjà mes munitions, ok. On va se calmer. Et on va se concentrer. Ok. Ça ne veut pas bouger. Code secret, code secret. Attendez, attendez. Alors, peut-être que j'ai besoin de ça en premier. C'est pas ça. Il doit y avoir un truc. Peut-être dans les documents. Je vois, mais alors pas du tout. Je vois pas. Est-ce qu'il y aurait à un étage un code de marqué? Est-ce que je peux... Non, je peux pas couper les chaînes. Non, non, non. Bordel. Peut-être que ça a à voir avec l'appartement. Il y avait presque rien dedans. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est un autre code. On va voir dans celui-là si je peux trouver quelque chose. Et en face. Je suis sûr que je loupe un truc. Trois petits enfants jouent dans le parc. Le premier dit rentrons à la maison afin qu'il fasse nuit. Les deux premiers rentrèrent gaiement à la maison. Le troisième reste à jouer tout seul. Pas un 3, 1, 2, 3. Ce serait bizarre. Je veux juste y toucher. Franchement, j'ai bloqué l'ascenseur dans le hall pour que seul le personnel y accède par un code secret. J'ai envie d'essayer 3, 1, 2, 3, mais je suis pas confiant avec ce code. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Peut-être que... Ouais, je vais essayer. De toute façon, ça vaut le coup d'essayer. Hein. 3, 1, 2, 3... 3, 1, 2, 3... 3, 1, 2, 3... Pas une note de cachet par hasard, une note collée au mur. 3, 1, 2, 3...
Rien. Enfin, ne veut pas bouger. J'ai pas de clé. J'ai pas. J'ai rien. J'ai absolument rien. Rien du tout. Bon, on va explorer les autres appartements. C'est un peu de la perte de temps. Ah, ça m'énerve. Je vois pas. Je vois pas du tout. Atari. Je suis probablement très con. Je dois être très lent d'esprit. Je vais sauvegarder. Et puis je vais voir de mon côté pour voir si je trouve pas quelque chose. Parce que là, c'est bizarre. Bon, je reviens tout de suite. Il y aurait probablement une petite coupure. Enfin bon, voilà, je reviens. Ok, bon. J'ai vu à peu près ce qu'il faut faire. Et je suis assez étonné. Parce qu'il me semblait avoir essayé. Bon, alors. On va descendre en bas. Et j'avais pourtant essayé, il me semble. Ok, la porte ne veut pas bouger. C'est très bien. C'est très 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 bien. Je crois que j'ai pas deviné ta présence. Crève. Hop. On va se soigner. Bon. Ok. On va enregistrer ici. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. On va bouger. Est-ce qu'il y a... Une sorte nickel. Ok. 3. Voilà. Ouais, on a toujours un soin à disposition. Crève. Ok. Du coup, j'étais venu d'ici. Il y avait ça qui était fermé. Ça, j'avais ouvert. Ça, c'est fermé. Ok. Bon, nickel. On avance. Est-ce qu'il faut que je sorte? Que j'aille par là. Point de sauvegarde. On va sauvegarder ici. Allez. Mais. Ah, verrouille. Ça ne veut pas bouger. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un truc à faire dans le coin. Quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais le faire. Oh! Oh! Progression. On va arriver au quatrième étage, c'est ça? Quatrième étage! Voilà! Nickel! Nickel chrome! Aha! Mon journal intime numéro 4. Cela fut bon, excellent à tuer. Facile à couper au couteau, comme couper de la nourriture. Ok. Ok.
Ok, il y a ça, c'est un cul-de-sac. Et ça m'a fait flipper. Ici. Ici. Ici quoi? Oh putain. Did he do this to himself? There's a key in the bathtub. OK. Qui a verrouillé la porte. Peut-être puis-je grimper ici. Merde! Oh putain. Ah, ça m'a fait flipper ça. Oh nickel, les chargeurs. Oh nickel. Oh. On va se regarder ici. Ok. Putain, elle m'a fait flipper la salope. Ok, désolé. Pour le langage. Grossier. Oh putain. Oh le con. Oh le con, j'ai gaspillé une balle. Putain, ok, crève. Putain! Ok. Je me suis paniqué celle-là. Ok. Nickel. J'ai des munitions. Ok. Reste calme. Reste calme. Tu as un flingue. Si tu vises bien, ça mourra. Putain! Je fais de la merde! Mais alors là, je fais de la merde. Je fais de la merde. C'est pas possible. Je fais de la grosse merde. Ok, journal intime numéro 1. De la big scheisse. Merde. Putain, oui, il a raison, c'était pas là ici. Avant. Putain. Je vais à des endroits, je sais pas où. Ok, il y a les points de sauvegarde. J'aime. Tu crois que je te vois pas? Pas toi! Tu vas économiser un peu de balles. J'ai économisé des balles, mais par contre, je n'ai pas économisé de la vie, putain. Mais alors très mal. Rêve-toi.
me débrouille, mais très mal. Je suis une merde. Je comprends pourquoi toutes ces munitions maintenant. Je comprends parfaitement. Et je n'ai pas de seringue. Non. J'en ai aucune. Autant dire. Je suis dans une merde bien profonde. Oh putain. Il y en a une, je sais. Dans ton cul. Putain, il est devant. Putain, en fait, j'ai pris la porte d'en face, putain, le con. C'est à la première mort, ma première mort du coup. C'est génial. Ben, je vais crever, je vais crever comme une merde. Allez. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre de mon côté, et je vais me diriger vers le premier étage, et puis on reprendra au premier étage. Parce que là, j'ai fait mais de la merde, j'ai tiré n'importe comment, j'ai gaspillé des munitions, j'ai gaspillé des soins. Bref, je vais revenir ici en meilleure forme quand même, parce que là, ouais, c'était pas terrible. Donc du coup, on se retrouvera au premier étage, enfin au rez-de-chaussée plutôt. Ouais. Au rez-de-chaussée, là où je me suis arrêté, c'est-à-dire ici, voilà. En attendant, ben, merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a malgré tout plu. On a un peu avancé, pas des masses je trouve, mais bon. Faut dire que je tournais un peu en rond dans cet appartement. Bon, la prochaine vidéo, normalement, on devrait bien avancer, je devrais être dans un meilleur état que celui-là. Avec un peu de chance, plus de santé et peut-être même un soin en réserve. Parce que là, non, là, je pouvais pas survivre. Hein. Bon, merci encore et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Merci encore et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !